Est-ce que tu aimerais retourner aux études une fois sur le sol canadien? Si oui, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, parce que dans cette vidéo, tu auras toutes les informations nécessaires. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Waouh, cette communauté est tout simplement formidable. Cette grande famille KB, chaque jour, ça grandit. Je ne peux que vous dire merci. Je ne peux que dire merci à tous ceux qui sont fidèles à cette chaîne, à tous ceux qui sont abonnés. Maintenant, toi, si c'est la première fois que tu me découvres, sache que mon nom est Blandine Coffee et sur ma chaîne, je parle d'immigration, je parle de processus d'immigration, comment réussir un CV et trouver un emploi, comment réussir sa recherche d'emploi. Vraiment, j'aborde plusieurs sujets qui peuvent t'aider dans ton processus d'immigration et surtout t'aider pour ton intégration une fois sur le sol canadien. Alors abonne-toi, fais comme les autres, abonne-toi et fais de cette chaîne ta chaîne préférée parce que ici tu as les vraies informations. Je dis encore merci à cette communauté de gagnants. Je posais la question à savoir, aimerais-tu reprendre les études une fois sur le sol canadien. Si tu continues de regarder cette vidéo, c'est parce que tu as répondu oui et tu as bien fait. Une fois que vous arrivez ici comme résident permanent, vous pouvez retourner aux études sans problème. Vraiment, le gouvernement a mis sur pied les moyens pour pouvoir aider les gens à retourner aux études et à faire une mise à niveau. Et donc, ça annonce un peu les deux points donc que je vais aborder. Il y a ceux qui retournent aux études pour faire une mise à niveau, pour changer complètement de profession, parce que soit peut-être ils sont tannés de faire ce qu'ils étaient en train de faire chez eux, ou peut-être parce que ici ils se sont rendus compte que il y a plus d'opportunités dans un domaine et donc ils s'orientent dans ce domaine donc. Et il y a la deuxième catégorie de personnes qui retournent aux études pas parce qu'ils ont vraiment le choix. Et ceux-là, ce sont ceux qui sont dans les métiers réglementés. Donc nous allons parler d'abord du premier groupe, de ceux qui choisissent de se reconvertir et par la suite, nous allons parler de ceux qui sont dans les métiers réglementés. Alors, sachez que lorsque vous arrivez ici, le gouvernement, comme je l'ai dit, vraiment a tout mis en place. Nous autres, on est partis à l'école au Canada. C'est pas parce qu'on est venu avec beaucoup d'argent, mais tout est pris en charge vraiment par le gouvernement pour que chacun puisse se refaire une mise à niveau. Et c'est très, très, très important. C'est l'un des avantages vraiment d'être résident permanent au Canada. Alors, si vous arrivez ici et que vous vous rendez compte que la profession que vous avez toujours exercée chez vous n'a pas trop grande portée ici, ce n'est pas un domaine très en demande, vous pouvez donc vous reconvertir, vous orienter vers une profession un peu plus en demande, c'est possible. Pour cela, vous allez vous inscrire dans une école et l'école va vous permettre de faire donc tous vos documents pour avoir une bourse d'études et étudier sans problème. Alors ici, vous allez aux études, soit vous faites des études en ligne ou en présentiel. Pendant la COVID, vraiment, pratiquement toutes les écoles étaient fermées et tous les cours se faisaient en ligne. Donc, vous pouvez choisir de faire des cours en ligne ou de faire des cours en présentiel. Dans tous les cas, vraiment,
les cours sont vraiment bien dispensés. La deuxième catégorie, donc, c'est ceux-là qui font partie d'une profession de l'ordre. Eux, ils n'ont vraiment pas le choix. Ils n'ont pas le choix que de retourner aux études, à moins que, en arrivant ici, ils n'aient pas envie, donc, de retourner aux études, donc d'étudier à nouveau et de se reconvertir. Donc, sinon, je prends un exemple comme médecin. Si tu es médecin chez toi, tu ne peux pas arriver ici et exercer comme un médecin. C'est pas la même médication. Tu es obligé donc de faire une reconnaissance des acquis et ton ordre va faire l'évaluation et va voir quelles sont, en fonction des matières que tu as déjà fait chez toi, qu'est-ce qu'il y a à améliorer, quelles sont les matières que, par exemple, on ne fait pas chez nous, que tu es obligé de faire ici pour faire une mise à niveau. Alors, je vais vous donner la liste pour éviter encore que vous allez faire des recherches, mais je vais mettre quand même le lien pour vérifier si votre métier fait partie d'un ordre au Québec. Sachez qu'au Québec, nous avons 46 professions qui font partie d'un ordre. Et donc, vérifiez toujours si votre métier fait partie de l'ordre. Ce n'est pas obligatoire. Tu peux être médecin chez toi, arriver ici, décider d'être, par exemple, opérateur de machine. Bon, ça dépend de toi. Tu vas aller apprendre peut-être le métier en entreprise. Mais sinon, si tu veux exercer encore comme un médecin, tu es obligé de faire un retour aux études. Donc, je vous donne la liste, hein, de tous les métiers qui font partie d'un ordre au Québec. Nous avons accompagnateur, administrateur agréé, agronome, architecte, arpenteur géomètre, audiologiste, audioprothésiste, avocat, chimiste, chiropraticien, comptable professionnel, conseiller d'orientation, conseiller en ressources humaines agréé, conseiller en relations industrielles agréé, criminologue, dentiste, denturologiste, diététiste, ergothérapeute, évaluateur agréé, géologue, huissier de justice, hygiéniste dentaire, infirmière et infirmier, infirmière et infirmier auxiliaire, ingénieur, ingénieur forestier, inhalothérapeute, interprète agréé, médecin, médecin vétérinaire, notaire, opticien d'ordonnance, optométriste, pharmacien, physiothérapeute, podiatre, psychoéducateur, psychologue, sage-femme, sexologue, technologue en prothèses et appareils dentaires, technologiste médical, technologue en électrophysiologie médicale, technologue en imagerie médicale, médecin nucléaire, technologue en imagerie médicale, radiodiagnostic, technologue en radio-oncologie, terminologue agréé, thérapeute conjugal et familial, thérapeute en rédaction physique, traducteur agréé, travailleur social, urbaniste. Donc, voici ainsi donc donnée la liste des professions qui appartiennent à un ordre.
Si vous avez entendu votre profession, préparez-vous. Dès que vous arrivez au Canada, vous prenez donc contact avec votre ordre pour faire votre évaluation des acquis et voir dans quelle mesure vous pourrez donc retourner aux études. Et là, vous saurez même combien d'années est-ce que vous aurez à faire. C'est très important si vous voulez continuer dans votre profession d'origine. C'est une information très importante que je voulais partager avec vous si vous arrivez ici comme résident permanent. Maintenant, il y a certaines personnes qui arrivent ici comme travailleurs temporaires. Si vous voulez aller aux études, vous allez devoir donc payer vous-même vos études ou attendre d'avoir la résidence permanente pour donc retourner aux études. C'est toujours un plaisir pour moi de partager la bonne information avec vous. Je vais vous mettre le lien du site afin que vous allez vérifier vous-même si votre métier est réglementé. Vraiment, je vous dis merci pour votre fidélité. Merci de me suivre. Merci de faire abonner toutes vos connaissances. Et je vous dis à la prochaine pour une vidéo encore plus top.